Hello les amis, comment allez-vous? Bon, par contre Clem, enlève-moi ça s'il te plaît, hein. Je veux bien qu'on est en pleine période de Noël, mais quand même, respecte-moi un petit peu s'il te plaît. Bon, maintenant que je suis nouveau normal, je vais pouvoir introduire le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo 25 choses qui me font péter un câble. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez tranquille, assez chill, mais voilà, il y a quand même des choses qui m'énervent, donc je vous avais fait part de tout ça dans la vidéo d'il y a, je sais plus, 2, 3, 4 mois, j'en sais rien. Mais comme pour l'instant, on est en pleine période de fête, tu vois, genre c'est rempli de positif pour la plupart des gens en tout cas. On mange bien, on voit les proches, on s'offre des cadeaux. Bah, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de type satisfaisante où je vous cite en fait tous des trucs qui moi me font kiffer dans la vie de tous les jours, des petites choses du quotidien. C'est pour ça que j'ai noté tout ça dans mon carnet. Ouais, vous avez quand même pas cru que j'allais tout enregistrer comme ça dans ma tête, tout retenir. Regardez, pour illustrer mes propos, ceci, c'est la taille de mon cerveau. T'as cru vraiment qu'avec un cerveau comme ça, t'allais pouvoir assimiler autant de choses? Non, 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 impossible. Donc vous avez compris le concept de cette vidéo. On va juste se faire kiffer, on va juste se satisfaire. Que du positif aujourd'hui, aucune rage, aucune colère. Donc j'espère que l'idée vous plaît et que vous êtes content. Si oui, eh ben on perd pas de time. On commence directement. Allez, let's go. Ok, premier point. Vous savez que, bah voilà, on est dans une période où il fait assez froid. C'est clair que dès que tu sors dehors, tu te les cailles, tes mains elles sont gelées. Enfin bref, ça caille sa mère. Donc, un petit truc qui fait kiffer, on va pas se mentir, que ce soit genre petit et grand, c'est boire un bon chocolat chaud quand il fait froid comme ça. Se boire un petit chocolat chaud, ça met trop 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 bien. Boire un chocolat chaud, putain, ça masse poussière là-dedans. Je vais crever, genre, je voulais faire ça, genre pour une mise en scène et tout. Je viens de souffler là-dedans, il y a masse poussière, faudrait peut-être que je le dépoussière. Il y a plein de poussière qui vole, vous les voyez pas. J'ai failli m'étouffer. Enfin bref, les amis, quand vous buvez, du coup, je vais mettre un petit peu loin de ma bouche quand même. Quand vous buvez un chocolat chaud, bah, ça met trop bien, tu vois. Ça réchauffe le corps, ça réchauffe aussi un petit peu les mains. Franchement, c'est du pur kiff. Et bah attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que ce serait pas un pouce bleu? Si, je crois que c'est ça, un pouce bleu qui vient de sortir de ma tasse. Comment est-ce possible? Ouais, bon, j'avoue, c'était une petite technique pour vous demander de laisser un like si vous appréciez ce style de contenu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Deuxième point, un truc franchement que j'adore. Je sais pas si en France ou partout ailleurs, hors de la Belgique, ça se fait. Mais nous, en Belgique, généralement, quand tu te fais un petit resto chinois, et ben à la fin de ton repas, après avoir bien mangé, t'es là en mode oh là là, je suis plein. T'as le petit coup de pompe, tu vois, le petit coup de fatigue qui est là. Et ben nous, chez nous, dans les restaurants chinois en Belgique, ils apportent une petite assiette avec des serviettes chaudes. Tu te mets ça sur la tête et c'est limite orgasmique. Vraiment, c'est une petite assiette, rien à voir, j'allais dire une petite assiette, une petite serviette chaude comme ça. Tu te poses comme ça là sur ton visage et ça fait trop du bien. Ça, c'est un truc qui satisfait trop et que je kiffe. Dites-moi dans les commentaires si en France, on fait pareil. Pour ce point-là, c'est un truc que je kiffais quand j'étais gamin, parce que maintenant ça va être un petit peu compliqué vu que je ne vis plus avec mes parents. Mais genre le week-end, quand tu tapes ta meilleure nuit, que tu te réveilles, que tu descends, soit tu sens déjà l'odeur des crêpes, ou alors que ta mère t'annonce qu'elle va te faire des crêpes slash pain perdu, parce que le pain perdu c'est un truc que je kiffe aussi. Genre c'est pas trop satisfaisant ce genre de week-end quand t'es gosse ou quoi, quand t'es ado, tu te réveilles, ta mère te fait des crêpes. Franchement, meilleure nouvelle du week-end. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez un petit peu dans tous les points que je vous cite, bah dites-le moi aussi également dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir. Et bah si je suis le seul à qui tout ça, là, tout ce que je vous cite, ça fait kiffer. Ou si vous aussi ça vous fait kiffer, n'hésitez pas. Bref, pour ce point-là, c'est aussi un peu plus quand t'es jeune, mais j'aime encore ce sentiment-là. Je suis encore satisfait quand ça arrive. Genre, quand il y a une nouvelle console de jeu et qu'on t'offre cette nouvelle console de jeu. Quand t'es gamin et que t'attends par exemple la nouvelle console Nintendo et que tu es enfin arrivé à ce jour, on va te l'offrir. C'est pas genre trop satisfaisant. Maintenant, c'est un peu différent. C'est moi qui vais me l'offrir. Toujours aussi satisfaisant de déballer une nouvelle console de jeu. Après, peut-être que je suis le seul. Bon, pour ce point-là, c'est un petit bonus, c'est un truc de youtubeur. Ce qui est satisfaisant, c'est d'avoir plein de pouces bleus. Donc je sais que je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, je vous le répète, petit pouce bleu, s'il y a beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo-là, ça va me satisfaire. Et je suis sûr que vous kiffez me voir satisfait. Non? Parce que si je suis satisfait, je vous satisfais après, par la suite. Ouais, ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois, hein, moi et mon monteur, je dois me concerter, blablabla, je dois aller checker. En plus, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, je mélange des trucs. À chaque fois que je dois regarder dans mon truc, bref, on va déposer ça là. Pour ce point-là, les amis, ça, c'est un truc qui concerne les gens qui font du sport, de la salle, ou même les régimes. Hein. Quand tu te fais violence toute la semaine, genre que tu manges, je sais pas, pour ceux qui font vraiment un régime bien vénère, de la salade tous les jours, de manger tous les jours la même chose. Quand t'arrives enfin le jour du cheat meal, le fameux 5 jours où tu peux manger quelque chose de différent, quand tu te tapes, genre, je sais pas, un Burger King, un McDo après avoir mangé que de la salade ou des trucs, genre, ou avoir la dalle toute la semaine, c'est tellement le kiff. Genre limite c'est orgasmique. Genre tu manges du gras et t'es content de manger du gras parce que t'en avais trop envie. Genre vraiment, tous ceux qui font des régimes qui se restreignent par rapport à la bouffe, vous me comprenez.
Un truc qu'on kiffe tous, quand t'es fatigué, quand t'es un peu mal au dos, quand t'as un peu mal partout, les massages. C'est pas le genre de choses que tu peux faire très souvent, mais genre se faire masser, c'est tellement, tellement le summum de la relaxation. C'est tellement satisfaisant, ça fait trop du bien. Généralement, limite, tu t'endors, hein, tellement ça te fait du bien, ça fait du bien au corps. Ça, les massages, je pense que ça satisfait absolument tout le monde. Un truc quand t'es jeune, t'arrives à l'école. Moi, chez moi, ça fonctionnait comme ça. Genre, sur certaines fenêtres, il y avait des fiches en fait avec les absences par rapport aux profs. Genre, quand t'arrives à l'école et que tu vois que sur la fiche, justement, t'as un voire plus de profs absents, t'es tellement refait, mec. Tu sais que tu vas passer une bonne journée, t'es tellement satisfait. Dites-moi si vous, ça vous fait pareil. Bon, ça, j'avoue, un grand classique, passer un bon petit dimanche tranquille en pyjama. Tu sais que tu dois pas bouger, tu te mets en pyjama ou en peignoir et tu passes ta journée à rien faire, chiller bien au chaud. Ça, je pense que c'est un truc qui satisfait pas mal de gens. J'ai mis pas mal de points par rapport à l'hiver, hein, comme c'est une période où il fait froid, etc. Ça, c'est un truc que je kiffe. En même temps, vous apprenez des choses sur moi. Genre, quand il fait super froid dehors, que tu rentres, je sais pas, que t'as été faire un tour en ville, t'as vraiment eu super froid, tu rentres chez toi, après tout le monde n'a pas ça, que tu rentres chez toi et que tu te mets devant le feu de bois. Ça, c'est un truc que je kiffe, les feux de bois. C'est tellement genre une chaleur différente, ça fait tellement du bien de se poser devant le feu de bois ou de mettre tes mains, etc., de réchauffer les mains. C'est tellement un truc que je kiffe. Donc, dites-moi si vous aussi vous kiffez ou pas. Bon, là on passe du froid au chaud. C'est un truc qui concerne l'été, voire le printemps, ça dépend, hein, des journées en tout cas où il fait vraiment très 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 chaud. Genre tu te balades dans la ville, tu te fais un petit peu de shopping, t'es avec tes potes, tu es en train de crever de chaud de ouf et t'as super soif. Et bah le truc qui fait plaisir, qui n'arrive pas tout le temps, c'est que tu te balades et que tu vois des gens qui donnent des canettes gratuites. Des fois ça arrive, genre des petites canettes de coca ou ce genre de choses. C'est pas forcément des grosses canettes, mais ça fait tellement plaisir déjà d'avoir une canette gratos. Et en plus, et bah quand t'as super chaud et super soif, d'avoir une boisson gratuite. Ça, j'avoue, c'est le pied. On reste dans l'été, t'as super chaud et t'as la clim. Tu mets la clim, petit coup d'air frais, ça fait beaucoup trop du bien. J'ai investi dans une clim portable, moi, pour cet été. Et franchement, c'était la régalade. Quand je faisais les montages de mes vidéos, quand je devais tourner une vidéo, j'étais vraiment pas bien, j'étais en sueur. Mais là, je peux vous dire que quand je mettais la clim, ça me faisait trop du bien. Donc ça, c'est un truc que je kiffe et qui est trop satisfaisant. La clim, que ce soit dans les voitures ou dans les maisons. Grand classique, pour ceux qui sont à l'école, ça ne me concerne pas. Bon, on va pouvoir dire alors aussi l'argent de poche, mais en gros, de recevoir sa paye. Voilà, quand t'as travaillé tout un mois, que tu reçois enfin ton salaire, bah t'es content, c'est toujours satisfaisant de recevoir son salaire. Mais bon, pour les jeunes, on va dire que c'est toujours satisfaisant de recevoir un petit peu d'argent de poche de sa famille, de ses proches. Certes, on est dans la période où on s'offre les cadeaux, mais justement, quand tu reçois un cadeau et que tu t'y attends pas, bah ça fait trop plaisir, t'es trop content, t'es trop satisfait, mec, comme ça tu reçois un petit cadeau, c'était pas prévu, tu kiffes. Des trucs sympas pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ne le sont pas, je suis vraiment désolé. Passer une soirée Netflix avec son copain ou sa copine, un truc très simple, mais c'est un petit plaisir de la vie qu'on ne refuse pas. Bon, ça, j'avoue, c'est un truc un petit peu personnel. Les dragibus. Je kiffe les dragibus. C'est mes bonbons préférés. Genre, si tu veux m'offrir des bonbons, offre-moi des dragibus. C'est un truc que je kiffe. Donc, si tu me donnes un paquet de dragibus, je serai automatiquement satisfait. Dites-moi si vous êtes team dragibus ou pas dans les commentaires. On reste sur de la bouffe, les popcorns au cinéma. J'adore prendre des popcorns au cinéma parce que généralement, les popcorns au cinéma sont bien meilleurs que les popcorns que tu fais toi au micro-ondes, que tu achètes en magasin, ou les paquets tout préfets là que tu peux acheter en grande surface. Non, les popcorns du cinéma sont quand même large meilleurs, donc je kiffe trop prendre des popcorns quand je vais au cinéma. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde non plus, et c'est pour ceux qui ont l'âge. Prendre l'apéro en été en terrasse, fait chaud, tu vas te poser sur une petite terrasse, prends un petit apéro, ça désaltère et franchement, t'es refait. Pour ce point-là, ce qui me manque déjà, les vacances. Quand je parle des vacances, je parle pas des vacances genre vacances scolaires, t'es chez toi, etc. Ce qui est super cool aussi. Mais les vacances, genre avec hôtel, piscine, où tu ne fais absolument rien, c'est trop le pied, mec. Genre t'as la piscine, tu manges ce que tu veux à l'hôtel et tout, t'as le soleil, tu bronzes, tu fais rien du tout. C'est trop le kiff. J'adore les vacances.
un petit plaisir simple de la vie qui n'arrive pas souvent, c'est recevoir un compliment. Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment, donc si vous avez des proches, etc., que vous voyez de temps en temps, bah quand vous les voyez, n'hésitez pas à leur lâcher un petit compliment, style ouais, j'aime bien ta veste, etc., ou t'es bien coiffé aujourd'hui, enfin bref, n'importe, improvisez, mais si y a moyen de complimenter, faites-le parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des compliments dans les commentaires, ça me ferait plaisir. On repasse en hiver, parce que là on a enchaîné sur de l'été, etc. On repasse en mode hiver, en mode on caille sa race. Prendre un bain bien chaud. Quand il fait froid mon gars, plutôt que de prendre une douche qu'on prend presque tous les jours, tu te fais couler pour une fois un petit bain, pour ceux qui ont une baignoire douche, baignoire quoi en gros. Tu te fais couler un petit bain chaud, limite tu mets des petits produits pour que ça fasse un peu de mousse, un petit peu de musique, tu restes dans la baignoire, c'est tellement relaxant, c'est tellement satisfaisant, c'est un truc que je kiffe aussi. D'ailleurs je crois que là je vais me faire couler un bain. Petit plaisir simple de la vie, hein, des fois la simplicité c'est ce qu'il y a de mieux. Tu passes une grosse soirée, t'es resté très longtemps chez de la famille, avec des potes, t'es sorti en boîte, n'importe. Tu rentres à 3-4 heures du matin, t'es explosé, t'as les pieds genre explosés. Et bah juste enlever tes chaussures, c'est tout con hein, mais c'est tellement le kiff d'enlever ses chaussures. Et je vous rajoute ça en bonus pour ceux qui portent des lentilles. Pareil, quand t'as passé une journée avec des lentilles, enlever tes lentilles c'est tellement satisfaisant, ça fait tellement un bien fou. Seuls ceux qui portent des lentilles pourront comprendre, mais ça j'avoue c'est un pur kiff aussi. Pour ce point, ça concerne souvent aussi les femmes enceintes, ça nous arrive à tous et à toutes, genre quand tu te primes un petit peu, genre t'as une grosse envie, je sais pas moi par exemple là tu vois, on imagine, hein, j'ai une envie de pizza de ouf et genre tu peux te faire plaisir, genre t'as les moyens de te prendre justement une pizza et que tu peux assouvir ton envie, c'est tellement le kiff genre de pouvoir faire des petits craquages comme ça, de choses que t'as trop envie. Quand t'es plus jeune c'est un peu plus compliqué de dire à tes parents, bah voilà je veux une pizza, mais quand t'as les moyens de le faire, quand t'es plus grand et que tu gagnes de l'argent, je vous avoue ça c'est un pur kiff, genre t'as envie de craquer et tu craques, c'est le pied. Petit plaisir simple de la vie, que ce soit grand, plus jeune, c'est le week-end, tu mets pas de réveil. Ça, c'est juste le pied, mec. Parce que t'as l'habitude la semaine de mettre toujours un réveil, il te casse les couilles, il te casse dans ta nuit. T'es là souvent en mode, oh là là, je resterai bien dans mon lit. En plus, si j'ai la mort dehors, j'ai envie de rester, mais tu peux pas. Et bah, le week-end, c'est ce petit plaisir de juste te coucher le soir et de te dire, ah, demain, je mets pas de réveil. Avouez, on kiffe tous. D'ailleurs Clem, est-ce que toi tu kiffes? Bon, je me suis rendu compte dans mon carnet, je n'avais plus rien. Finalement, ça a été plus vite que je le pensais. Je pensais que je m'attardais des fois un petit peu trop. Mais non, c'est quand même assez vite passé. Je rajoute celui-là en bonus parce que bah, j'aime bien clôturer mes vidéos. Genre, petit bonus, un truc qui m'a satisfait, c'est les Monsters. Et c'est absolument pas un placement de produit. Mais les anciens savent que je bois beaucoup de Monsters. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse attention quand même parce que c'est des boissons qui sont pas vraiment conseillées, hein, même pas du tout. D'ailleurs, les plus jeunes, ne buvez pas ça parce que ça peut être dangereux pour le cœur. Mais les Monsters, j'avoue, c'est mon petit plaisir. Tu vois, il y en a, ils aiment bien boire des cafés. Ben moi je t'avoue que j'aime bien boire un petit Monster comme ça, ça me fait kiffer, ça donne un petit coup de boost, franchement j'adore. Vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette vidéo, et oui déjà, mais peut-être un jour pourquoi pas un épisode 2, si je vois que vous appréciez bah, ce genre de vidéo, c'est chill, c'est détente, en plus là bah voilà c'est un petit peu en raccord avec la période dans laquelle on est, que du positif, des ondes positives, donc bref il y aura peut-être un épisode 2 un jour, pour ça n'hésitez pas à me le montrer déjà en me le mettant dans les commentaires, oui Fruit je veux un épisode 2 un jour, ce serait sympa, voilà ça me permettrait d'avoir vos avis, et surtout bah n'hésitez pas à me faire exploser la barre des likes comme never. Faites-vous kiffer. Détruisez cette barre de likes qu'elle finisse à l'osso. Bref, sinon vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne secondaire juste ici. Checkez deux de mes autres vidéos juste ici. Merci Clem d'avoir fait le montage. Vous voulez prendre soin de vous. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.